j'ai vécu cette guerre et j'en suis sorti. Donc pour moi maintenant, ce sont des souvenirs comme un roman. Pour vous, c'est quelque chose qui n'existe pas puisque vous le lisez dans les livres. Le souvenir de la guerre, oui, bien sûr. Quand on courait dans les rues, les bombardements, on se cachait dans les caves. Ils venaient chercher la famille et avec des coups de pied, aller raus, raus, raus. Et moi, je restais à 12 ans comme ça, complètement apeurée à écouter tout ça. La grande, hein, puis il y a eu 17 personnes de la famille qui ont été prises. Personne n'est retourné. Personne n'est retourné. Parce que avoir faim, c'est autre chose. Sentir qu'on meurt de faim, c'est un sentiment très difficile à comprendre pour ceux qui n'ont jamais senti ce que c'est mourir de faim. Du moment que t'étais juif, allez, bon pour le camp de concentration, terminé. Hélas. Et maman me disait toujours, tu dis jamais, jamais, jamais que t'es juif. Jamais, jamais. Sos turca, sos turca, sos turca. Ça veut dire tu es turc, tu es turc. Sans arrêt, on me le disait. Birçok Türk diplomatları kendi inisiyatiflerini kullanarak bir avuç Yahudi'yi mutlak bir ölümden kurtardılar. Et c'est à ce moment-là donc que je crois que c'est à ce moment-là que la Turquie, le gouvernement turc a voulu préserver et sauver ses ressortissants. Été libéré en deux mois et demi après parce que j'étais citoyen turc reconnu. Mais j'ai appris par la suite que maman a été au consulat général et il a été ferme, n'est-ce pas, envers les Allemands. Il a dit ça c'est mon sujet, c'est un Turc reconnu, par conséquent, libérez-le. Puis on a passé 4 ans comme ça, et puis tous les jours on entendait « Ah, celui-là il est parti à Auschwitz, ah, celui-là il est parti à je sais pas où, il est mort, l'autre est mort ». Et à un moment, c'était fin 43, le consul a dit « Vous ne serez plus protégé si vous ne rentrez pas en Turquie. Vous devez retourner en Turquie, sinon vous ne serez plus protégé. » Donc, on a décidé de partir. Alors, mon père est rentré chez nous et nous a dit « Écoutez, mes enfants, n'importe comment, on est mort. Alors, si on doit mourir en route, montons dans ce train. » Surtout la sensation que je garde encore à présent, c'est une sensation d'angoisse horrible, de froid intense, de brume. Tout était brumeux, tout était gris et sombre. C'était alors justement, en comparaison de ce froid, de cette nuit, de cette brume, quand on est arrivé à Istanbul, j'ai eu l'impression de lumière extraordinaire. Donc, à ce moment-là, c'était un cadeau du ciel. C'est fantastique.